Alors, il n'y a pas vraiment d'âge idéal pour apprendre à lire. Ce qui est important surtout, c'est que l'élève ait acquis deux compétences importantes. La première compétence, c'est qu'il doit être capable de discriminer des sons, c'est-à-dire entendre les sons dans les mots à l'oral. Hein. Donc, par exemple, qu'il entende dans serpent. Voilà, ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Deuxième compétence, c'est qu'il doit être capable de reconnaître des lettres au sein des mots. Par exemple, s'apercevoir qu'il y a deux T dans tartine. Voilà, lorsqu'il sait faire ça, bah écoutez, il est prêt à apprendre à lire et donc à aller au-delà.